The Voice. Florent Pagny de retour, cette surprise réservée aux talents et coachs pour les demi-finales. Selon les informations de Télé-Loisirs, Florent Pagny sera sur le plateau de The Voice ce samedi 27 mai 2023, à l'occasion des demi-finales. Une belle surprise pour les candidats, les coachs et les téléspectateurs. La plus belle surprise de la saison? En janvier 2022, Florent Pagny annonçait être atteint d'un cancer du poumon. Pour guérir le plus rapidement possible et réaliser son traitement dans les meilleures conditions, le chanteur de 61 ans avait fait une pause dans sa carrière en annulant ses concerts et en cédant son fauteuil rouge dans The Voice. Sur la voie de la guérison, grâce à ses sacrifices, ce dernier s'était envolé vers la Patagonie, mais avait confié, à propos de ce voyage, à Audrey Crespo Mara dans 7 à 8. J'ai trop profité de tout ça. Ces 5 derniers mois, peut-être que si j'avais été en France et que j'avais suivi le programme prévu, il n'y aurait pas ce ganglion. C'est un peu ma faute. Face à cette rechute, ce dernier confiait. Donc je rentre à Paris faire une biopsie, pour voir ce que c'est. Point. Mais ce jeudi 25 mai 2023, l'artiste a été rassurant sur le plateau de Télématin sur France 2. Je vais plutôt bien, sinon je ne serais pas là. Maintenant, je reprends du poil de la bête. La chimiothérapie est derrière moi. Donc, dès que les produits chimiques s'éloignent, tout devient plus sympa et à la fin tu te dis « Ok, c'est bon ». Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule. Une surprise de taille qui devrait offrir un beau moment d'émotion. Selon les informations exclusives de Télé-Loisirs, celui qui n'a pas perdu sa voix durant cette année. Dans laquelle d'autres personnalités seront également présentes, sera, elle, bel et bien en direct. Quoi qu'il arrive, la séquence s'annonce d'or et déjà pleine d'émotions pour tout le monde, ceux présents sur le plateau au moment des faits, comme pour les téléspectateurs.